Malikoum, les gens. C'est un. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Naz06 bis et on va regarder une story de Bassem Brahiki au sujet de la nouvelle loi sur le possible dès 17 ans. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et bon visionnage. Incroyable quand même dans ce pays, comme vous êtes des défaitistes. Enfin, dans ce pays, non, c'est une question de mentalité en fait. J'ai partagé la publication du fait que maintenant les jeunes auront permis de conduire pour vous passer à 17 ans. Alors vous, tout de suite, vous voyez direct, ouais, les ballons. Hein, les ballons, plus de jeunes dans les routes, les accidents, les jeunes cons, blablabla, comme si vous n'avez jamais été jeune. Non, non, non. Non. Parce que des jeunes cons qui font des ballons, il y a des mecs qui ont mon âge, qui ont le syndrome de Peter Pan. Ils ont 43 ans, ils traînent avec des vieilles vaches qui ont 20 ans, hein? Ils les arrosent, ils font des ballons dans des stations-service à des heures impossibles. T'inquiète pas, les gens de mon âge qui ont le syndrome de Peter Pan, ceux qui sont habillés comme leurs gosses là et qui écoutent la même musique que lui, wallah il adim, ils ont rien à envier à tous ces jeunes-là. Non, moi je le vois pas comme ça parce que je prends exemple sur mon fils. Je sais que mon fils à 17 ans déjà, il commençait à me casser le cerveau. Papa, papa, je veux travailler. Papa, papa, ouais, j'ai du travail, mais je peux pas me déplacer. Bon. Bah peut-être que ces jeunes-là, en passant le permis à 17 ans, ils vont pouvoir travailler à 17 ans et commencer à faire leur argent et ainsi de suite. Pourquoi tout de suite vous voulez dire jeune, non, blablabla, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, je les vois de l'autre côté parce que j'ai mon fils en exemple. Je sais que s'il avait pu à 17 ans, il aurait passé son permis, il aurait pu commencer à travailler, ainsi de suite. Donc, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, c'est bien. Et puis moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Même la loi, faut la baisser. Le travail. C'est avec le permis. Donc, si à 17 ans on peut passer le permis, pourquoi pas le travail à 18 ans? On peut commencer à travailler. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est une bonne perspective pour nos jeunes. Vous, non. Psychodrame à chaque fois. Ah! Si vous, vous regardez les clochards, hein, moi je ne les regarde pas. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braki. Effectivement, ce serait un permis à 17 ans. Ce n'est pas de la conduite accompagnée, possible dès 16 ans. J'en reparlerai un peu plus tard de ces cas-là aussi. Donc j'ai appris aussi que en cas de dégâts, quand même, c'est la responsabilité des parents. Voilà, s'il y a des dégâts et que ça sera la charge à la responsabilité des parents néanmoins. Donc, ça sera avec l'accord des parents néanmoins. Voilà, bon, pour un an, dire que dans d'autres pays, au Canada avant, c'était la majorité à 21 ans, ou il y a d'autres pays même où c'est à 23 ans, là, à 17 ans, ça peut être une bonne chose. Ils en ont parlé pour des lycéens, par exemple, qui sont dans des villages très reculés, très éloignés, avec des petits problèmes de transport, tout ça. Ça peut être bien, mais ça reste à la responsabilité. Ce que j'ai retenu, c'est que ça reste à la responsabilité des parents. Il peut avoir son propre. Je sais même plus s'il peut avoir sa propre assurance ou si c'est l'assurance des parents. Mais s'il commet un dégât, c'est lui qui doit payer, par exemple, bah, qu'il est en tort, par exemple, bah, ce sera à la charge des parents, ce que j'ai entendu, voilà, tout simplement. Mais ça peut être une bonne chose, ça peut être une bonne chose pour beaucoup de cas. Après, moi, quand j'étais au lycée, il y en avait, c'était très rare, il y avait une fille qui avait le permis accompagné, ça venait de. C'était pas quelque chose de très ancien, le permis accompagné. Voilà, elle avait 16 ou 17 ans. Et elle conduisait pas toujours accompagnée. Elle conduisait souvent seule. Voilà. Oui, t'avais aussi quelques cas de gens qui recommençaient leur bac après quelques années de travail, qui ont 20 ans, 23 ans, qui reviennent en terminale. Voilà, pour tenter de repasser le bac, qu'ils avaient le permis, mais c'est. Moi, franchement, dès que je me suis fait virer du lycée en terminale, pour un truc bidon, en fait, et ben après, j'ai même pas passé le permis, en fait, tout de suite. J'ai mis des années à le passer, en fait.
J'ai commencé un peu soit à travailler, je faisais des petits travaux, des petits travaux saisonniers, soit à vadrouiller, soit à me perdre. Après, je me suis remis sur des bons rails et j'ai mis un peu de côté pour passer le permis. J'ai galéré parce que déjà, tant que tu finissais pas de payer, ils te donnaient pas des dates. Après, 20 heures, c'est juste. Voilà, faut vraiment être carré, quoi. Être carré. Voilà, moi je dis, il faut au moins 30 heures. Voilà. Le code, j'ai jamais eu de difficulté, toujours du premier coup. Voilà, et voilà, après, j'ai eu un déménagement, j'avais du mal à. Il fallait que je fasse plus de 15 km pour passer 1 heure de conduite, 15 km aller, 15 km retour. J'ai galéré. Une fois, je me suis fait péter le permis aussi. J'ai dû le repasser. Mais ça m'a servi de leçon. Après, je me suis tenu à carreau et je suis resté longtemps avec 12 points. Là, j'ai dû me faire flasher un ou deux radars. Là, j'ai dû descendre à 10 points. Donc, voilà. Des fois, c'est le plus dur, c'est pas d'avoir le permis. C'est une fois que tu es là, t'as 6 points. Punaise. 6 points, ça peut vite partir, les 6 points. Ça peut vite partir. Quelques infractions au code de la route et hop, un téléphone au volant, un feu rouge et un radar et c'est bon. Hop, 6 points, c'est juste, franchement. Encore 12, voilà, si tu perds quelques points, tu te dis hop, ah là, je me tiens à carreau. Voilà, mais pour avoir gardé les 12 points, plus de 10 ans, 12 points sans perdre un point, je me suis vraiment tenu à carreau. Voilà. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Naz06 bis, premier sur les actus, les amis.